Qui parmi vous a déjà entendu parler de Robin Bass? Ah bon, je vois. Un revenu de base en fait. Donc tout d'abord un revenu de base déjà pour avoir le choix, pour pouvoir décider de ce qu'on veut faire de notre vie, de travailler ou non, de travailler à temps partiel, de décider de s'investir plus dans l'associatif ou de partager son temps avec sa famille, de faire des activités culturelles, etc. etc. Mais en tout cas l'idée c'est d'avoir le choix et de ne pas perdre sa vie à la gagner. Je vous défends donc un revenu inconditionnel, donc un revenu versé sans condition et sans contrepartie tout au long de la vie. Et revenu, j'insiste sur ce point, suffisant. Le revenu inconditionnel que je défends doit permettre de se passer durablement d'emploi. Dans un an, en 2017, on a des élections présidentielles et législatives. Le but du MFRB, c'est de faire en sorte que le revenu de base devienne un sujet du débat majeur au moment des élections. On veut que la plupart des candidats aux présidentielles se positionne en faveur ou contre, c'est pas grave, mais en tout cas se positionne sur la question du revenu de base. Et pour pouvoir faire en sorte que les candidats des présidentielles se positionnent, on va avoir besoin d'un soutien populaire massif. Et c'est là que vous entrez en jeu, on vous fait confiance. Voilà. Merci beaucoup.